le terrible grand méchant enfant. Promenons-nous dans les bois pendant que l'enfant n'y est pas. Si l'enfant y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. L'enfant, y es-tu? Oui! Que fais-tu? Je mets mon manteau et... J'arrive! Bon, allez, maintenant il faut dormir. Hein. Bonne nuit et à demain matin. Bonne nuit! Papa! Maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là! Un enfant! Je l'ai vu! Il... Mais non, regarde, ce n'est que ton bonnet sur ton écharpe. Sur ton manteau, sur tes chaussettes qui forment une boule avec de grandes dents. Bon, allez, maintenant, faut dormir. Bonne nuit et à demain. Oh, maman, papa, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, par la fenêtre, un enfant. Je l'ai vu. Son ombre, elle... Mais non, voyons, c'est un nuage. Ou le vent. Ou des feuilles qui tombent. Des feuilles qui tombent des arbres. La nuit aussi, ça tombe des arbres. Les feuilles. Bon, maintenant, tu dors. Ah! Papa, maman, j'ai peur. Bah, allons, ça suffit, hein. Tu vas dormir, oui? Sous mon lit. Il y a un enfant qui va manger le petit chaperon rouge. Il est gros et il... Il n'y a rien sous le lit. On regarde sous le lit et même s'il y avait un enfant qui mangeait le petit chaperon rouge et sa grand-mère et les petits cochons, et qui sais-je encore? Tu sais bien que les chasseurs sont toujours là pour le zigouiller, non? Hein? Quick, quick, zik, 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 on fait des petites chatouilles, s'il te plaît. Tu dors maintenant? Demain, il faut se lever. Ah! Papa! Maman! J'ai peur! Maintenant, je vais me fâcher. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Il n'y a pas d'enfants dans cette chambre. Les enfants, ça n'existe plus. C'était des histoires pour faire peur. Bon, écoute, je vais te lire une dernière histoire. Et après, dodo, ok? Ok. Installe-toi bien sous la couette. Voilà, c'est bon. Tu es prêt? Oui. Bien. Voici l'histoire du terrible grand méchant enfant. Il était une fois un terrible grand méchant enfant. Qui vivait dans une étrange forêt. Bonne nuit.